Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien écoute, on commence le déconfinement en France, donc ça va pas mal. 11 mai, Ça va pas mal. déjà quatrième live. On va essayer de continuer même après le confinement. On va essayer de trouver des sujets intéressants pour tous. Oui, je pense que ça manque pas. Et n'hésitez pas à nous en faire parvenir si jamais vous en avez un qui vous tient à cœur, qu'on traite, mais déjà c'est effectivement on a quelques idées quand même. Oui, alors c'est en direct, hein, donc n'hésitez pas à partager, à commenter pendant que nous discutons. Le but, c'est aussi d'échanger. Aujourd'hui, on va commencer par vous présenter un peu les outils mis à disposition sur le site Swisslens, même sur la partie publique. Il n'est pas nécessaire d'avoir de compte client pour pouvoir y accéder. Hop, j'avance un peu. Et Guillaume va nous expliquer comment il fonctionne. Alors, c'est très simple. Déjà, il faut se connecter sur swisslens.ch et sur votre gauche, là, vous allez dans Professionnel. L'outil Professionnel, puis dans Outils, dans l'onglet Professionnel. Et donc là, on a plusieurs outils qui se suivent. Les premiers sont ceux qui permettent la personnalisation des systèmes relax pour les lentilles management de la myopie. Donc le premier, là, c'est le lag accommodatif, les gradients VP, les tailles de pupille. C'est ce qui permet de personnaliser les lentilles quand vous les commandez dans l'espace professionnel. Donc ça, voilà, on est sur quelque chose, ça vous donne les ocres qu'il faut personnaliser, choses comme ça. Ensuite, dessous, il y a la même chose pour la Night Flex Relax qui va vous permettre également de déterminer la ZOC à mettre pour la Night Flex en liaison avec la puissance des verres. Ensuite, vous avez le calcul de la suréfraction. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très utile. Vous rentrez les puissances de votre lentille, le cylindre, l'axe commandé et la suréfraction que vous obtenez. Et également, ce qui est important, c'est la stabilisation de la lentille. Alors attention, c'est une stabilisation en tabot pour les deux yeux. Et puis grâce à ça vous donne le résultat à entrer directement dans l'espace de commande. Alors cet outil, vous le retrouvez dans l'espace professionnel, hein, qui est, enfin, sur toutes les lentilles, vous avez le calcul de la suréfraction qui est disponible. Ensuite, vous avez un outil qui permet de faire une conversion puissance lunette en lentille, voilà, avec la distance vers l'œil, qui vous permet, voilà, d'avoir des lentilles les plus précises pour les fortes puissances. La conversion du rayon cornéen, donc le rayon en dioptrie, l'indice des larmes, et puis ça vous donne le rayon en millimètres. Là, sur l'indice des larmes, ça va dépendre de votre appareil. Exactement.
Donc là, ça va vous donner, ça vous permet d'avoir exactement les bons rayons. La transposition du cylindre positif en cylindre négatif, donc voilà, moins 6 plus 2 à 0 donne moins 4 moins 2 à 90. Donc voilà, plus 6 plus 2. Ok. Donc 8 moins 2 à 90. Ensuite, vous avez un outil de calcul de flèche qui va vous permettre de voilà, calculer les flèches en fonction des rayons et des diamètres. Bon, l'outil du puriste, hein, celui qui construit sa lentille zone par zone. Exactement, sauf que ça c'est un petit peu plus pointu. Après, ensuite, c'est... Donc ça, c'est, voilà, quand c'est quelqu'un nous petit... demande, quand on modifie le dernier rayon de la lentille, par exemple de 20 centièmes, c'est vrai que ça donne une idée, ça fait très peu de différence de flèche. Hein. Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est pour ça que le 20 centièmes sur, le dernier sur la dernière périphérie, c'est des... ça ne change pas grand-chose sur les flèches, hein. C'est vraiment très minime. Ensuite, l'axe de construction par rapport à l'axe de stabilisation, ça c'est typiquement, c'est quand vous voulez savoir à combien, combien commander votre lentille, quand vous savez qu'elle est tournée, quand vous voulez juste prendre en compte la rotation. Ensuite, fameux Sam Siam. Ouais. Éviter de se perdre, se mélanger les pinceaux. Ouais, exactement. Ouais. Ici, c'est de combien change quand vous changez sur les rigides, hein, ça marche sur les rigides. Le changement du R0, qu'est-ce qu'il entraîne au niveau de la puissance en fonction voilà, des changements au R0. Et enfin, le dernier tableau, c'est le calcul d'excentricité numérique. Donc ça, c'est ce qui permet de faire les calculs d'excentricité. Si vous n'avez pas de topographe qui vous le donne directement, vous pouvez faire les différentes mesures, donc en centrale, en supérieur, en centrale, horizontale et verticale, et ensuite à 30 degrés, supérieur, inférieur, nasal et temporal. Et ça vous donne directement les excentricités numériques de vos cornets. Voilà, donc ça c'est les outils qui sont à disposition de tout le monde. Il n'y a pas besoin, comme tu disais, de se connecter. Ça c'est voilà, on le donne, enfin on le, c'est à disposition de tout le monde. Que vous l'utilisiez ou vous l'utilisiez pas, nous on ne sait pas. On n'a pas de, il n'y a pas de trace de votre utilisation, mais ça vous permet quand même d'avoir vraiment une idée un petit peu plus précise de ce qui se passe dans vos adaptations un peu techniques, et puis d'aider à la commande de vos nouvelles lentilles. La plupart des, quand même de ces tableaux se retrouvent dans l'espace de commande. Hein. Oui. Sur le dernier, sur l'excentricité numérique, c'est plutôt pratique parce que vu que pas mal de lentilles sont en fonction de l'excentricité. Si on a un kératomètre qui ne donne pas les valeurs d'excentricité, mais uniquement les valeurs périphériques, ça peut être une bonne utilisation pour savoir quoi commander. Exactement. Bon, ça, moi, c'est ce que moi je l'utilise effectivement dans ce cas-là, quand on m'envoie juste les rayons et il n'y a pas l'excentricité. Donc, il y a juste à utiliser ce tableau-là pour faire les calculs. Donc, ça, c'est à disposition. Donc, dans professionnel et dans outils. Exactement. Eh bien, on va continuer sur notre sujet du jour, qui nous a été suggéré la semaine dernière par Xavier, la presbytie donc en orthokératologie. Bon, c'est un sujet vaste et intéressant. On ne va pas pouvoir tout traiter aujourd'hui. On va essayer de présenter ce qui est disponible chez SwissLens, la technologie autour de l'orthokératologie et de la presbytie. Et surtout, n'hésitez pas, ça va être quand même un peu dense, donc si vous avez des questions, des demandes de précision, faites-le nous savoir dans les commentaires. Donc, si on part du début, l'orthokératologie, c'est le remodelage de la cornée pour les myopes au centre, un aplatissement. Et puis, bon, on le sait, il arrive que des personnes qui arrivent à l'âge de la presbytie beaucoup plus tard en orthokératologie que si elles n'étaient pas en orthokératologie. Bon, ça arrive souvent, Guillaume. Oui, c'est une des premières choses, c'est ça. C'est que souvent, les adaptateurs, enfin les patients retardent, entre guillemets, leur demande en correction de presbytie quand ils sont en orthoca, dû au fait de la forme, de l'effet de l'orthoca. Hein, on peut en parler, il y a quand même un effet qui est quand même bon pour la presbytie sur l'orthoca. C'est d'ailleurs un des effets qui est, grâce
auquel on a un contrôle de la myopie chez les enfants. Donc on le connaît bien, il arrive que ça fonctionne, et puis des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Alors pourquoi? L'objectif quand on fait de la presbytie, c'est d'avoir une zone centrale que l'on voit ici la plus large possible pour corriger la myopie. Bon, quand on est presbyte, on va chercher à avoir plutôt des progressions de puissance. Donc on va réduire cette zone au centre pour avoir un large spectre de puissance dans l'aire pupillaire. Ça, c'est l'idée. Maintenant, comment ça fonctionne et pourquoi des fois ça fonctionne avec une orthoca tout à fait standard? La raison, elle est plutôt simple. Ça va dépendre de la valeur de la myopie à corriger. Donc, sur le schéma du dessus, on a une myopie tout à fait classique de moins 4 avec un design de lentille Night Flex standard. Bon, ça, c'est ce qu'on vous calcule quand on est au service technique pour n'importe quelle myopie. Et ce qu'on observe, c'est que par rapport à un design qui est étudié pour la presbytie, il y a très peu de différence. Hein. On peut le noter, il y a vraiment quasiment aucune différence. Donc là, qu'est-ce qui va jouer, Guillaume, sur l'optimisation? Qu'est-ce que tu vas déclencher sur une presbyopia que tu ne fais pas sur une géométrie standard? On va vraiment déclencher on le voit assez bien là sur le deuxième design, une largeur au niveau de la profondeur du réservoir. On voit qu'il est un petit peu plus, voilà, il y a ce petit décroché qui est bien plus accentué, enfin il est plus pentu, on va dire, en design myopia, et beaucoup moins en presbyopie. Et ce qui va donner, voilà, donc là on le voit encore mieux, mais j'étais trop bien. J'ai cliqué un peu vite, mais... C'est un peu vite, mais on voit effectivement, on peut le voir là sur entre le premier design et le deuxième, donc là, l'idée c'est vraiment d'avoir une progression, enfin, et voilà, une pente là qui est un peu plus douce, légèrement plus douce, vous voyez. Et du coup, ça fait que, on va dire, la correction, l'addition qu'on crée, il y a une progression qui est dedans, alors qui est un peu plus progressive, entre guillemets, que dans un design de myopie simple. Et là, ça se voit, hein, même si elles sont très proches, on voit quand même qu'il y a quand même une toute petite différence au niveau de la pente, en fait. Hein. Oui. Alors, on corrige exactement la même valeur de myopie au centre, mais en périphérie, on voit effectivement qu'il y a des subtilités. Hein, c'est très faible. Les dernières choses qu'on peut déclencher quand on va corriger la presbytie, c'est qu'on peut réduire le diamètre optique ou l'agrandir pour aider à correspondre au diamètre pupillaire. C'est pour cette raison qu'on demande le diamètre pupillaire sur les lentilles d'orthoca presbytie. Ouais, exactement. Et puis c'est là où effectivement tu avais raison, on a déjà cet effet sur le myopie control. Alors c'est pour ça que nous sur les designs presbyopia et relax, on demande les diamètres optiques, les diamètres de pupille, afin d'adapter ces diamètres de pupille, ce qui donne effectivement, parce que on voit si les pupilles des personnes un petit peu plus qui ont besoin de presbytie sont un peu plus petits que la normale, donc on est obligé de réduire un peu ces ocs pour pouvoir vraiment rentrer dans ces zones d'addition, on va dire, que ça les aide en fait, vraiment que ça leur serve à quelque chose. Exactement, oui. Si je reviens un petit peu en arrière sur les deux topographies, donc ça c'est vraiment un patient que j'ai suivi, qui avait une myopie qui était plutôt moyenne, hein, on était aux environs de moins 5, avec une large zone VL au centre, que j'ai revu l'année suivante, qui avait un petit manque en VP parce qu'il était à un peu plus de 50 ans, et que j'ai rééquipé avec la presbyopia CD, donc une zone centrale qui est plus petite et un spectre de puissance vraiment plus grand, c'est-à-dire qu'on passe de moins 5 au centre à des valeurs de moins 2,50, donc on a nos 2,50 d'addition sur l'aire pupillaire. Donc ça, c'est les cas où ça fonctionne bien. Et ouais. On a les cas où ça ne fonctionne pas bien. Donc, par exemple, les faibles myopies. Bon, la raison, elle est plutôt simple. Hein. C'est-à-dire que on a tellement peu de corrections, tellement peu de remodelage à effectuer sur la cornée qu'on n'a pas du tout de défocus en périphérie.
Et bien, puis voilà, on voit là, sur les deux dessins, les deux designs, les deux graphes, ça, on le voit tout de suite, hein. On a le moins une, on a une profondeur de myopie qui est, voilà, enfin, une profondeur du réservoir qui est équivalent à moins une. Bon, à part si le patient a besoin d'une addition de une pour moins une, mais en fait, en soi, ça lui sert à rien. C'est pour ça que dans le design de Presbyopia CD, on a créé un réservoir qui est plus profond. Voilà, pour accentuer cet effet d'addition en périphérie. Et puis, bah, il y a cette largeur là toujours qui reste un petit peu, qui aide quand même toujours avec l'effet. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est pour ça, le design Presbyopia CD, c'est ça. C'est vraiment, il marche bien aussi grâce pour les faibles myopies, grâce à ce design-là où en fait on accentue le défocus périphérique. Oui, on n'est pas limité par la faible valeur de myopie pour pouvoir augmenter cette valeur d'addition. C'est la pression négative qu'on exerce dans le réservoir qui va nous ajouter du convexe en périphérie. Et ça, c'est à nouveau, on peut le déplacer un peu plus proche vers le centre ou un peu plus écarté selon les besoins. C'est personnalisable. Donc, si on récapitule un peu la méthode, on peut très bien s'en sortir avec un design tout à fait standard de myopie. On peut s'attendre à une valeur d'environ 1,50 dioptrie d'addition, très dépendant de la valeur de myopie de départ. Je dirais environ la moitié de la myopie en termes de défocus. Donc quelqu'un qui a moins 1,50, il n'aura pas les 1,50 d'addition. Mais quelqu'un qui a moins 3, oui, c'est quelque chose qui est envisageable. C'est pour cette raison que les gens jusqu'à 50 ans sont plutôt bien en orthoquin. Ce qui était recommandé pour gérer ce genre de patient, c'était de réduire la correction d'un œil, par exemple. Donc on gardait un œil VL pour garder la bonne vision de loin, et on diminuait un petit peu la correction sur l'œil non directeur pour améliorer la vision de près. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est souvent encore demandé. C'est le système de bascule, on va dire, qu'on connaît sur les autres lentilles. Hein. Ça, c'est exactement, c'est ce principe-là. Ça marche bien. Enfin, je veux dire, il y a plein de cas où ça marche très bien, et qui permet de, voilà, on va dire, de retarder vraiment le passage à un design peut-être un petit peu plus anxiogène pour tout le monde. Plus avancé, ouais, qui demande un peu plus de connaissances et puis d'analyse en termes de modification de la cornée. Donc, bien prendre le diamètre de la pupille et penser à l'œil directeur. Dès votre examen de départ, c'est intéressant pour nous de savoir quel œil on va devoir diminuer un peu en correction. Si on veut aller un peu plus loin en correction d'addition, on peut donc passer en presbyopia CD, Night Flex presbyopia CD. Et on peut s'attendre sur toutes les valeurs de myopie à une addition d'environ 2 dioptries. Mais c'est pas tout. On peut aller un peu plus loin chez Swiss Lens. On propose également un design avec une vision de près centrale. Donc ça, c'est très spécial. On est les seuls à le proposer. La différence entre le CD et le CN, on le voit bien, hein. C'est ici. Donc, center distance, on a toute la vision de loin avec un rayon très plat au centre, alors que center near, on a un rayon convexe sur un diamètre optique qui est plutôt réduit, et ensuite la correction de la vision de loin. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne tellement bien que la perte de contraste est assez importante. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Les personnes qui portent des lentilles d'Ortho-K pour la myopie sont assez exigeants au niveau de l'acuité visuelle, hein, n'est-ce pas? Oui, on le sait tous. Ils aiment bien voir net. Donc on ne recommande pas de mettre le center near aux deux yeux. Donc le protocole, on l'abordera un autre live, mais rapidement. Un seul œil en CN si nécessaire. Et donc cette correction au centre, elle va avoir un effet qui est assez intéressant sur la topographie. Donc quelqu'un qui est équipé sur une lentille presbyopia CN
va avoir une correction convexe au centre, sa correction de loin en moyenne périphérie et à nouveau une correction de près en extrême périphérie. Ça va avoir un peu le même genre de design que les lentilles souples multifocales, n'est-ce pas? Oui, non, c'est vraiment ça. C'est l'idée de la lentille souple multifocale CN, c'est d'avoir cette petite zone centrale avec une addition, la vision loin, entre guillemets, et ensuite de nouveau l'addition. Donc c'est vrai que là où tu disais, et je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est de ne pas partir avec les deux lentilles CN, parce qu'on voit tout de suite le porteur est très très gêné, parce que ben il y a quand même cette vision près centrale qui est quand même assez importante, on va dire, et ça le gêne, il perd une perte de contraste qui est quand même assez majeure. Donc ça gêne vraiment, c'est pas très agréable pour lui. Faire une légère, enfin un peu une idée de bascule, un côté CN et un côté CD, ça je pense que c'est vraiment quand on a besoin de mettre ce design en place, c'est indispensable, on peut pas le mettre des deux côtés, le CN ça marche pas. Oui, on revient un peu au principe de protocole d'adaptation des lentilles multifocales souples où on fait une vision aménagée, exactement, en quelque ouais. sorte. Ouais. Ouais. Et ça peut être une bonne solution hein, aussi quand on teste pour un porteur d'orthocard ou en premier, enfin quand il veut essayer passer, il a un problème de vision de près, de ça, pas, essayer de faire un test en lentille souple progressive juste pour voir un peu l'effet, ça lui donne un peu une impression de savoir ce qui va se passer. Ça peut être aussi une bonne idée. Hein. Je pense que c'est aussi tout de suite, ça permet de placer les choses en disant voilà, vous aurez un œil, vous verrez ça. Donc forcément, de près, ça va être très agréable. Par contre, de loin, vous allez perdre un petit peu. Donc, il faut, voilà, faut qu'il soit au courant. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas lui cacher. Hein. Il va le voir tout de suite. Tout dépend de la sensibilité au contraste du porteur, finalement. Et ça, on ne peut pas la prédire. Il faut la tester. Donc, le test en lentille souple avant d'adapter en orthokératologie est un bon moyen de se renseigner. Ça fonctionne si la personne n'était pas équipée en orthokératologie avant. Oui, ça, c'est toujours. Parce que moi, le plus souvent, c'est des patients que j'ai équipés en orthokératologie avant la presbytie et qui aujourd'hui le deviennent et ne veulent pas arrêter. Ils veulent absolument conserver leur lentille d'orthokératologie, mais gagner un tout petit peu en vision de près. Et ils sont assez tolérants justement sur cette amélioration de la vision de près. Ils sont prêts à accepter plus facilement parce que après c'est un style de vie en fait. C'est je ne porte rien toute la journée. C'est le rêve de chaque porteur de lunettes. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a, c'est sûr, c'est un. Une fois qu'on a goûté à l'orthocarto, je pense que c'est. Enfin, on sait que c'est compliqué à arrêter. Hein. Ça offre quand même des avantages qui sont quand même non négligeables. Exactement. Ouais. Ça, c'est la carte en tangentielle qui est intéressante, mais qui ne va pas forcément être toujours aussi flagrante. Parce que là, on est sur un cas qui est très particulier, c'est-à-dire qu'on a une très faible myopie et on a un besoin d'addition important en vision de près. Donc c'est vrai que la carte tangentielle est impressionnante, mais ça dépend de la valeur de myopie de départ. Parce que si on a une myopie de moins 5 avec une addition de 2,50, en réalité, on corrige quand même de moins 2,50 au centre. Donc en fait, on est quand même plus plat que que la topo de départ. Et donc ça va être intéressant d'observer justement les cartes différentielles toujours, hein. C'est vraiment la carte intéressante à surveiller et c'est cette partie-là sur l'oculus, mais qui existe sur quasiment tous les topographes, où en fait on a le relevé de puissance en fonction du diamètre optique. Donc on est sur une correction qui est de l'ordre de plan au centre, moins une en moyenne périphérie et plus 0,50 en extrême périphérie. Et c'est cette variation de puissance qui permet d'avoir toutes les zones de vision. Et donc là, ça illustre bien pourquoi la vision, enfin l'habitude de la vision simultanée avec les contrastes et si on est gêné ou pas, là ça s'illustre tout de suite. Hein. On voit tout de suite que effectivement il y a quand même dans le diamètre de la pupille, on est quand même sur quelque chose où il y a quand même trois puissances différentes. Oui. Minimum. C'est ce qu'on recherche. C'est vraiment cette simultanéité de vision
sur la rétine et le tricortical qui fait le travail derrière. Donc, par rapport aux lentilles souples, je trouve que la période d'adaptation est plus rapide parce qu'on est sur quelque chose qui est sur la cornée, qui n'a pas de mobilité. Donc, quelle que soit la position du regard, c'est instantané. Et donc, le cerveau fait plus facilement le tri des images parce qu'elles sont toujours réellement au même endroit tous les jours quand l'adaptation est bien faite, que le centrage et le contrôle de l'adaptation est correctement effectué. J'ai pas vu de commentaires sur le live pour le moment, donc il n'y a pas encore eu de questions à ce propos. Donc si on récapitule, on a le design myopia classique qui permet d'avoir une faible addition dans certains cas. Presbyopia CD qui va nous permettre d'avoir une addition jusqu'à environ 2 dioptries utilisables. Et un œil en presbyopia CN pour compléter la demande de vision de près. Donc le protocole d'adaptation, c'est vraiment celui-là. On le détaillera plus en détail une prochaine fois. Si ça vous a plu, dites-le nous. Que dire de plus, Guillaume? Ah, je pense que pour un premier approche de la Nightflex multifocale, c'était déjà pas mal parce qu'il y a quand même deux trois éléments clés. Hein, on a bien vu effectivement bien comprendre ce que c'est une addition, l'ortho-K et l'addition, qu'est-ce qui se passe et qu'en fait toutes les lentilles d'ortho-K ont une addition. Donc ça, c'était important à vraiment le comprendre et puis expliquer pourquoi du coup nos porteurs sont un petit peu plus, les porteurs d'ortho-K déclarent une, entre guillemets, des demandes en VP un peu plus tard. Et puis après, voilà, après les notions effectivement en fonction des additions et des corrections de vision loin. Je pense que c'était déjà important en premier lieu qu'on pose un peu ça. Puis effectivement, moi je pense qu'on peut prévoir d'avoir une autre session live pour le protocole et rentrer un petit peu plus dans les détails sur chaque adaptation dans ce cas-là. Ouais. On va vous souhaiter une bonne soirée. Et on se dit donc lundi prochain. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres suggestions pour la suite. Pas forcément en orthokératologie. On a commencé avec le sujet de l'orthokératologie, mais on est disposé à couvrir d'autres sujets d'adaptation lentille. Dites-nous aussi si vous voulez voir donc la suite de l'adaptation, puisqu'elle sera un petit peu particulière. Ce ne sera pas uniquement moi pour vous la présenter, ce sera... un de nos clients qui fait beaucoup d'ortho-K presbytie et qui aujourd'hui a suffisamment de recul pour vous exposer un peu sa méthode. Donc on devra trouver un calendrier qui nous permet de conjuguer tout ça. Voilà, partagez si ça vous a plu et on se dit donc à lundi soir prochain. À bientôt. À bientôt tout le monde. Bonne soirée.